À l'extérieur, quelques chaises ont été épargnées par les flammes. Le véhicule du propriétaire garé devant le commerce a brûlé. À l'intérieur, l'établissement a été entièrement ravagé. À 3 heures, dans la nuit du 15 au 16 février, comme on le voit sur cette vidéo de Corse Matin, les voisins ont été réveillés par une série de déflagrations provoquées par le feu. Ce snack de kebab appartient à Mourad Amar, un propriétaire de 27 ans, inconnu de la justice. Les techniciens en identité criminelle de la gendarmerie ont recueilli plusieurs indices. Les gendarmes ont conclu rapidement à la piste criminelle. Un scénario retenu également il y a 10 jours après un attentat dans le restaurant Le Cyrnos à Sartène. L'incendie du kebab de Propriano est-il un nouvel épisode de rivalité entre bandes de la région? Rien pour l'instant ne permet de l'affirmer. Les gendarmes ont entendu la victime. L'enquête se poursuit.